Là, on part sur la session 2 du jeu, donc je suis désolé. Alors, je sais pas s'il y aura une perte, parce que en fait, mon PC a crash à cause de Windows 10. Eh, mais mec, Windows 10, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est moins pire que Windows 8. Bah, franchement, en fait, ce que je trouve vraiment chiant, c'est vraiment. Franchement, mon jeu a pété un câble, moi. Le truc, c'est que mon PC, depuis un moment, il fait que péter un câble. Théophane, t'as fait quoi? On a temps play. Bah, ça parce que j'étais à plus 8 en énergie, je suis à moins 3. J'étais à plus 2. Ah, c'est bon. C'est un peu graphique. T'as de la chance. Tu mets play maintenant? Ouais. Capacité. Ah, mais j'avais déjà fait ces recherches. J'ai fait celle-là, bam. Voilà. Du coup, moi, faut que j'arrive à augmenter ma putain de. Son milliard, non, c'est ça. Mais attends, si je supprime mon. Maintenant, là, il n'y a pas de. Si. Ah, mon poste frontalier, si je le supprime, je perds mes trucs qui sont autour. Ouais. C'est pas comme moi. J'ai fait ça sur une planète, gros. C'est tellement la mort. Attends. Ah, mais je suis pas sûr d'avoir besoin de le supprimer en fait. Parce qu'en fait, je pensais pouvoir la choper, en fait, j'ai pas pu. Et du coup, j'ai plus d'influence, mec. Hein. Ah ouais? Bah ouais, j'ai pas assez de points d'influence, mec. Réforme du régime. Ah ouais, chaud. J'ai plus de points d'influence. Putain, mec. Tu fais des crafts pour en avoir. Hein. Bah ouais, mais tu fais comment? Mais t'as genre. T'as genre les systèmes, t'as des trucs pour le faire, t'as la propagande, les trucs comme ça. Bah ouais, mais j'ai pas ça. Action. Ah, si je le transforme en vassal, du coup il me bouffe plus d'influence. Il voudra jamais accepter. Pourquoi? Les vassaux ne veulent jamais accepter le principe, c'est que genre il va jamais vouloir accepter être ton vassal. Les bots acceptent très rarement, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Ah ouais, on avait bien repris avant. Ouais, on a repris avant. Putain, faut que j'augmente le bonheur, mec. Comment je fais pour augmenter le bonheur de ma faction? Alors, réprime les politiques et valeurs du à l'intérieur tant que ça recourt, cela va me coûter. Merde. Adopte les politiques et valeurs du à l'intolérance. Non, si je réprime la faction là, mec. Oh putain, mec. Je perds de l'influence et tout, non, mais je peux rien faire, mec. Juste rien faire. Pour augmenter ma putain d'influence. Construction complete. Je ne sais rien faire, ça m'énerve.
System survey complete. What? C'est qui s'est créé là? Où ça? Il y a un mec qui est en train de coloniser là chez moi. Pas loin de chez moi. Ah ouais? Faudrait ouais. Qu'on pète la gueule au cas où... Ah ouais, là, c'est les racistes. Ah, ah ouais, oui! Putain, ils sont super proches! Bon, ben, changement de ce que je voulais faire avant. Alors, amélioration du spaceport, bien entendu. Mais avant et après toute chose. Ah, ton leader est mort, je crois. Non? Comment tu peux. C'est ton leader qui est mort? Non, c'est chez moi. Mon vaisseau scientifique est décédé? Mec, je vais commencer à créer une armée là et ça va partir en couille. Hein. Les scientifiques sont morts. Ah oui, bah oui, ils meurent au bout d'un moment, voyons. Ah, mais là, ils sont morts. Morts. Attends. Je se trouve dans l'espace de Poudlard. Construction complete. Ah, ça fonctionne. J'ai du plus un. Research complete. Bon, j'ai perdu un peu de territoire, mec, mais je viens de récupérer la zone d'exploration des mecs à côté de nous. Ouais, bah je l'ai déjà. Elle est énorme. Hein. Ah non, mais en gros, je viens de récupérer la zone d'exploration des mecs à côté de nous. Pas mal. Ah, il y a une assimilation avec l'état butane. Oh! Ah, moi j'ai fini ça. Hop. Ok. Moi je l'ai pas l'état, je sais pas quoi. Ah, ils sont en train de terraformer une planète à côté, les bâtards. Il y a des mecs en dessous de nous et il faudra que je leur pète la gueule. Hein. Je sais pas s'ils sont alliés ou pas, mais. Ok, je vais voir fini prospérité. Et ensuite, je sais pas ce que je prends. Putain. Ça pue la merde cette colonie. 80% d'habitabilité, mais y'a rien d'attiré quoi. Ouais, je vais me mettre. Nulle part. Et genre, y'a que des putains de trucs partout. Tiens, que le danse. C'est vrai que j'ai pas de gouverneur et que je venais d'en recruter un. Quoi? Ah bah... Ah, c'est la planète. Voilà. Construction des bâtiments délai débloqué, voilà. Surface. Ah mais celle-là est même plus intéressante. Ouais, ouais. Et puis sauvage dangereuse et puis volcan, mais c'est rien. Alors. Ah oui, carte des étoiles, ouais, c'est intéressant ça. Pas pour moi. Voilà, ils m'ont donné rien du tout. Ou faut... Comment je vois que si ma carte des étoiles a été améliorée? Alors je sais qu'ils existent, mais tu regardes ta carte. Mais je peux pas les affronter. Enfin, je peux pas leur demander. Ça y est, toi tu vas te balader, Théophane? Ouais. Ah c'est vrai que tu vois où je suis moi à peu près. Ouais, bah, je vois plus, t'es dans le nuage. Ah mais notre attaque commerciale a été interrompue. Ah oui. Je sais pas si on en redémarre un autre. Construire la station de minière. Ah j'ai un trou noir. Attends, je vais te demander un autre accord. Trop tard, je le fais déjà. Ah non, c'est Miclore sur Information. Carte des étoiles.
Mais en information, échange, carte des étoiles. Mais en échange, hein. Oui. Mon vaisseau scientifique, il s'est exploré ça sans crever. T'inquiète, c'est fait. Ah ouais, c'est un tronc noir. Non, c'est que mon vaisseau scientifique, il est rentré dedans. Okay. Il analyse. Il va se barrer. C'est pas réaliste. Le vaisseau scientifique en mode coucou, je suis dans le trou noir. Il se barre. Le pire, c'est que c'est tellement ça, quoi. Moi, j'essaie de venir en contournant le connard là, le Jin Roman. Donc en passant de l'autre côté du nuage. Ah, des élections. Alors, vitesse de recherche plus 10%. Ouais. Des stations militaires plus 25. Coût des stations ah non, militaires. En fait, c'est intéressant. 15, santé des stations militaires plus 25. Ah, c'est bien ça. Ah, je peux voter pour un représentant. Bon, c'est dictature, mais c'est quand même un représentant. Je prendrais bien un représentant militaire. Bon, on va je sais pas. On a quand même vachement de bouffe, on va prendre un représentant militaire. C'est intéressant en fait, ils ont exploré plein de petits trucs. J'aimerais bien pouvoir foutre en exploration autom. Hein. Alors, du coup, là, c'est quoi? Alors, il y a quoi dessus? Il y a rien, mais il y a rien. T'es quoi? T'es un vaisseau scientifique? Non. Oh, je peux faire développer des espèces. Mais j'ai hâte d'avoir plus 20% des frontières. Ah ouais, mais ça veut dire que... Oh putain, fils de pute, va falloir que je prépare mon armée. Ouais, parce qu'il va tout dans la merde, lui. Hein. Être à côté comme ça, en vrai. Hein. Non, mais mec, c'est pas compliqué. Hein. Là, j'attends les 3 heures, en fait. Destroyer! Coût en énergie, c'est combien? Du coup, j'explore tout au fur et à mesure. Oh mais putain, il est encore mort mon scientifique, mais ils arrêtent de mourir. Ça revient à rien. Faites que clamser toutes les 2 secondes. Situation log updated. Ah fuck. J'essaie d'explorer une planète, sauf que bah, mon vaisseau il est obligé de se barrer parce qu'il y a des putains de trucs de merde. Je vais bientôt voir exploration automatisée. J'ai acheté un scientifique. Oh. Mais non. Oh putain, mon amiral est mort. Tiens, j'en prends un jeune. Par contre, j'ai vu un truc qui m'a gêné. Ah, ça y est, j'ai un sentiment. Il me refond un sentiment. Ah, ça va être un problème. Ah, mais non, mec, mes deux.
gros, j'en gagne plus. Je peux pas recruter de scientifiques. Ah oui ? Bah ouais, ça coûte 50 d'influence et quand t'as plus d'influence du gars, bah... Est-ce que j'essaye de te mettre vassal, Rémi, pour voir si tu regagnes de l'influence ? Je regagnais de l'influence si tu mets vassal. Ok. Laisse-moi, mais je te fais pas dans la merde, hein, t'inquiète pas. Ouais, tu me fais rien payer et puis c'est tout. Mais ça veut dire que je serai plus dans la... Mais du coup, je perds rien de bouffe, quoi. Pourquoi tu perds de la bouffe ? Je sais pas. Il y a un problème quelque part, je perds de la bouffe. Ah mais c'est pas moi ça. Tu regagnes de l'influence là ? Ouais, j'en gagne deux maintenant. Pourquoi je perds de la bouffe ? Qu'attends ? C'est un vaisseau scientifique qui est là. Ouais, parfois ils disparaissent, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Non, il fait rien. Genre il est... Ok, bizarre. Vous changez full reconnaissance de toutes les planètes, de toutes les étoiles. T'inquiète, t'es pas le seul. Du coup, j'ai un vaisseau qui peut pas bouger parce que ben, y a personne pour surveiller. Putain, encore ? Ah oui, Théophan. Mec, y a des vaisseaux aliens de partout. Ah, le bon la bonne armada de destroyers qui commence à arriver. Je m'en bats les couilles, frère. Ah oui. Genre, j'ai vraiment aucune étoile autour de moi, mec. Faudrait que je recrute un amiral. Tu sais que dans mon espace d'influence, bah, y a aucune étoile. Y a 5 étoiles. Oh, nouvelle recherche complète. Nouvelle recherche. Quartier d'équipage, B. Vitesse de réparation des vaisseaux, entretien des vaisseaux, moins 5%. Entretien des vaisseaux. Ça, comme ça, ça me coûte moins cher les vaisseaux. Ce qui me mettra pas trop mal. Parce que là, je fais une armada. Théophane, tu te prépares à la guerre ? Alors, si vous pouviez venir défoncer le mec qui est à côté de moi, ça m'arrange. Alors, déjà, tu vois ? Moi, j'ai fait le con. Ah non, mais là, mon mec, moi, je m'en bats les... Ah oui, j'ai plus de minéraux aussi. Hein. De quoi ? Pourquoi il me dit production ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout qui est en positif. Et pourquoi ? Attends. Bien augmente dans l'ingénierie, j'ai moins 30%. Ça, c'est noté. Ok. Bon, bah, va falloir que j'ai un vaisseau de construction. Ah ouais. Là. Allez. Bah, les couilles. Bon, va falloir augmenter tout ça. Je suis full en énergie. Et bientôt full en. En minéraux. Et full en nourriture. Mais la nourriture, je suis à plus zéro, alors du coup, je suis pas trop fou, moi. System survey complete. Wesh, qu'est-ce qu'il a, lui, il est pas content, ouais. Situation log up. Ah, il y a une civilisation primitive, wesh. Attends, je peux aller les niquer ? De fan ? On fait quoi à partir des civilisations primitives ? Construction complete. Oops, inactive. Comment ça, des pops inactives ? Oui.
merde. Attends. Ouais. Construction complete. Rémi, tu veux de la nourriture ? Oh, il commence à m'apprécier ! Toi aussi, raciste, commence à t'apprécier ? Ouais. Mais parce que je leur ai parlé, en fait. Ok, Rémi fait le lèche-cul pendant ce temps-là, tu sais. Mais en fait, ils vont pas comprendre quand moi je vais me mettre à arriver et à leur démonter la gueule. Mon copain, copain, moi pas taper vous, mon promet. Moi te niquer ta mère. Hein. J'ai fait un accord commercial hein, pour les cartes et tout. J'ai vu. T'as vu ce que j'en suis en train d'explorer ? Attends, j'ai même pas vu en fait. Ah ouais, t'es vraiment bas. Moi j'ai plus de scientifique parce que faut que je regagne de l'influence un peu. Après, je pourrais relibérer voilà. ta dépendance envers moi, au cas où. T'inquiète. Ouais, déjà, ouais. Si on s'allie tous les trois pour se péter la gueule contre les bots, ça passe, tu vois. C'est chaud, en vrai. Hein. Ils ont des dégâts, je pense. Hein. Bah, moi, j'ai rien. Mon armée est petite, hein, pour l'instant. Bah, moi, j'ai 21 unités. Je suis à 500 de dégâts seulement. C'est bizarre. Alors, ensuite, on a ça, là. Ça. Ce qui est très bizarre, d'ailleurs. Oh, c'est un solide très bizarre. Un pulsar. Ah, j'ai pas sur port level 4. Les gens, j'ai un pulsar. Putain, déjà. Ah, je peux déclencher la guerre de façon moins coûteuse. Ah, t'as augmenté ça. Si j'améliore bientôt, hein, mais pas maintenant, mais bientôt, je pourrais dépenser. ouais, et ça me sert à quoi d'avoir un pulsar ? Juste à côté d'eux, chez toi. Oui, ces fils de pute. Des gros bâtards. Mais mec, moi, ils vont pas comprendre hein, ça à faire. Alors, moi que va ? J'arrive chez eux. Hein. Il faut combien d'influence pour coloniser ? Voilà. Il t'en faut pas, il faut juste de l'énergie. Non, ouais. Il faut de l'influence. Les planètes 190. Ah. Alors, du coup. Augmenter la fédération. Tu penses qu'ils vont gueuler si je vais chez eux et que je colonise au milieu ? Si, domination, découverte, ah. Suprématie, pas spécial. C'est ce que colonise pile au milieu de chez eux, tu penses qu'ils vont dire quelque chose ? Ah, j'ai de quoi faire ça, hein, mais je dis, je fais quoi là? T'es au fan? Non, parce que en fait, je suis chaud là. Moi, je suis en mode, j'envoie mon vaisseau colonial chez eux et puis leur nique leur mère, tu vois. Mais j'ai pas assez d'énergie. Je suis en train de descendre vers Romain. Oui, j'y vois. I'm coming, Romain. Oh! La planète! Tu vas voir un vaisseau colonial partir en mode. YOLO! Ah! Oui! Complètement! Bon, ici, là. Et pourquoi je te propose que des capacités spatioport niveau 2? Et là, Théophane qui est niveau 4 se dit, quoi? Tu fais seulement niveau 2? Moi, niveau 3, ouais, le mien. Hein. Moi, le mien est niveau 3, tu vois. Alors, voilà. Passe par la droite de la truc du nuage, là, au milieu. À droite, je suis en train de passer à droite. Ouais. Mais moi, je fais toutes les étoiles sur le côté. Hein. Mais on aurait dû se voir alors.
Non, je fais toutes les étoiles. Toutes les étoiles, genre je fais tout. Donc du coup, j'avance pas, mec. J'ai pas passé. J'avance pas, quasiment. Je suis à la moitié, mec. Je suis pas à la moitié. Okay. Quand je te dis je fais tout, je les explore toutes. Ok, bon, de toute façon, on va se voir. Le jeu va nous le dire, on a débloqué, on a vu une nouvelle espèce, machin. Ouais. Alors du coup, j'ai pas un scientifique par là, si j'ai un scientifique là, je l'ai fait, c'est infâme. Nous devons avoir découvert la sculpture terrestre pour pouvoir terraformer. Moi j'en fais tout le temps, mec, de la terraformation. Ah mais je peux pas. D'accord, on en fera plus tard. J'ai pas encore la je crois. Ah putain, il y a une flotteuse. Kappa Alliant. Mais attends, t'es à droite ou à gauche? À droite. C'est à gauche, tu te fais niquer, mec. Hein. Ah ouais? Ouais, il y a des Gen Remnant qui vont te niquer si tu passes à gauche. Lui, il a pas fini. Mais je te dis, j'avance pas. Genre là, je suis. Je sais pas où t'es, toi. Je suis sur Rimok. C'est l'étoile. Numéro 7. Attends, mais je leur connais midi, comment ça a pu m'aimer là? Pose un accord commercial? Les noms de mes planètes, elles puent la merde, gros. Information. Carte des étoiles. Tofan, je sais pourquoi il vient, il va me poser un accord commercial pour que je te donne de l'énergie. Je le sens. Bah là, en fait, je suis un peu en manque. Ouais. Bah les couilles, je suis à plus 13 et je suis full. Je suis à plus 0. Ça c'est parce qu'en fait j'ai créé de nouvelles colonies, donc le temps qu'elles se créent... Ah mais je peux t'en donner 2000 de l'énergie si tu veux, tout de suite. Non mais j'en ai 6000 gros, donc c'est... Ah bah alors t'en as pas besoin. Ok, alors eux ils sont vraiment... Alors j'ai mon armée, elle est passée à... Je vois pas... Force militaire, je suis passé à 500 d'attaque. Okay. Vraiment. J'ai un ennemi qui se trouve à côté, vaisseau alien. Est-ce que tu serais pas à Sonderon? De quoi? T'es pas à Sonderon? Non, je suis à Rimok. T'es pas à Sonderon. J'ai un truc qui est passé là à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai pas passé à Rijapat, hein. Jusqu'à Iglor. Eglor, oui. Ah, je peux lire, c'est écrit trop petit. Plus tu zoomes pour voir, plus c'est petit, cette merde. Et du coup, j'ai découvert Autosniro. Bon, c'est des aliens, fais gaffe à toi, Tofan. Hein. Ouais, il y a des... Il y a des Girtab. J'ai reçu un message en mode « t'approches pas ». Non mais c'est toi les Girta, couille droite. Ah t'as colonisé une planète? Ah bah c'est la planète que je voulais coloniser quand je suis descendu chez toi. Et quand j'ai vu j'ai fait oh intéressant. Girtab. Mais tu l'as pas vu celle-là mec j'ai envie de... Si je l'ai vu, je viens de descendre chez toi. Bah oui justement j'ai vu chez toi. Je vais prendre solution. Ah d'ailleurs ça y est, alors eux ils sont automatiques. Donc là vous faites votre recherche automatiquement. Je crois que j'ai construit des trucs qu'il fallait pas. Pop okay. Pleinement développé. Ma colonie établie. Pourquoi c'est marqué? Et pourquoi la pop elle est pas pleinement développée, oui. Ok, ça permet de faire ça. J'ai demandé de construire un nouveau vaisseau de construction. Permet le module les quartiers de l'équipage. Vitesse de réparation des vaisseaux, entretien des vaisseaux. System survey complete. Tendue des frontières plus 1%. Mais pourquoi il va là-bas? Attendez, oh. Ok, donc. Voilà. Je t'ai demandé de venir là, wesh. Situation log updated. Le fait en ta gueule. Alors
Ils font des trucs, mes vaisseaux scientifiques sont un peu en mode bonobo là. Mais non! On va les couilles. Mais non, faut que je recrute quelqu'un. T'inquiète. Vitesse de recherche, maîtrise du vide spatial. C'est bon. Je sais pas si t'as vu mec, mais genre là, j'ai agrandi à mort mon territoire. J'ai mec, j'étais... Une planète, oui, j'ai vu, elle est super loin. Et j'avais presque le truc qu'il fallait pour pouvoir coloniser, et là il me fait ah, attends, faut que tu recrutes quelqu'un. Mais attends, mais mec, regarde, regarde les ennemis comment ils se foutent à la limite de chez moi. Mais ils sont en train de coloniser toutes les planètes de merde aussi. Mais j'ai l'impression... Mais oui. Bon, tant qu'ils prennent les 20% qui me laissent les 60, mec, moi je croche pas dessus. Hein. Les civilisations primitives, Stéphane, elles servent à quoi, compris. En fait, j'ai l'impression que tu peux les développer pour les rendre plus intelligentes. Voilà, ça sert à ça. Alors, comment je fais pour aller leur discuter avec? Moi, je suis en train de faire la recherche pour les rendre plus intelligentes. Le composant disrupteur. Viens ici, toi, te déplacer ici. Ah, j'ai pas assez. Excellent. What? Deux vaisseaux de construction. Pourquoi j'en ai pas un troisième vaisseau scientifique? What? Attends. Mon personnage est mort. Le gouverneur est mort. Du coup, il y a des nouvelles élections. Non. Ah mais niquez vos races les vents. Il les retrouve tout seul les gouverneurs. J'ai pas besoin d'en nommer. Mec, c'est buggé. Oh oh, un autre problème. Ah, c'est très rude. Ok, si t'en dis le jeu, j'ai pas compris pourquoi tu fais ça, mais t'as le droit. Caca! Caca! Pourquoi caca? Parce que j'ai plus d'argent. Non, j'ai plus de nourriture. Je comprends pas pourquoi. Mais produit de la bouffe. Attends, tu veux que je t'en donne? T'es vraiment PLS en vrai? Non, mais attends, mais je m'en occupe. Ah, ferme hydroponique. Si oui, nique ta mère. Attends, ah, mais on est casque là, je peux exploser. Normalement, ça passe. Ensuite, je fais là. Ça. Ah, les enculés, ils ont colonisé là. C'est bon, ça devrait le faire normalement. De quelques tours, c'est bon. J'ai dû faire. Voilà, t'es toujours en train de te déplacer. C'est la nouvelle colonie qui va pop ici. Voilà, je vais encore perdre 8, mais bas les couilles, frère. Parce que quelqu'un m'a créé des vaisseaux coloniaux, je ne sais toujours pas pourquoi. C'est moi, j'en ai créé un. Mais je comprends pas pourquoi c'est autant d'envois à chaque fois. Construction complete. Non, mais ça le fait plus, vu que je suis plus dans la truc, vu que je suis ton vassal. Mais voilà, ça en faisait, c'était bizarre, c'était relou, mais... Ah, bon, du coup, t'es fan, t'es par planètes. Où bah, par le dessus, là, mais je suis parti. Quoi, tu cherches pas à venir me voir? Tension est 30. Ok, il y a un mec qui nous a contacté. Ah bon? Qui? Pas moi. Je sais pas. Toi, tu restes là-bas, le petit vaisseau colonial, là. J'ai encore besoin de toi. Tu vois, mon territoire, il va encore s'agrandir, gros. Pourquoi il y a une barre? Ok, donc ça c'est chez moi. Putain, j'ai encore un scientifique qui est mort. Mec, perdu influence actuellement. Ah, mais j'ai des mecs qui sont chez moi. Les gros, les racistes ils sont chez moi en mode ouais, on vient, mais on promet, on fait rien.
Gros, c'est abusé. Ah, vu que j'ai pas de gouverneur, mec, je perds de l'influence vu que j'ai un gouverneur. Ah, faut que t'aies un gouverneur. Moi aussi, ouais, je me disais, c'est pas à moi. Au début, moi aussi, je me disais ça. Tiens, regarde, mon territoire il est en train d'augmenter, j'ai une petite couille là sur le côté. Est-ce que tu vois les mecs qui nous ont rejoints à les fondations of Groll? Non. À gauche. Non. Non. Attends, on va recréer un. Mais des gens qui nous jouent. Il y a des gens qui nous ont rejoints? Ouais. J'ai l'impression d'avoir vu tous les bots là, ça y est. Ils m'ont tous contacté. Je dois être génial pour eux. Je crois qu'il y a que Romain que je contacte pas. Attends. Proposer un. Mec, je suis en train de faire une grosse bite. Information. Non. Tiens. Et je te demande en. Voilà, confirmé. Hop là. Non, tu vas recevoir. Tu vas voir à droite. Je les vois pas. Y'a des mecs chez toi en mode bas les couilles. Ouais, à gauche, je veux dire à gauche, tout à gauche. Ils sont. Je les vois pas non plus. T'as pas. Tu vois pas? Non. Mais t'as accepté le traité, toi? Bah oui. What? Mais en fait, je comprends pas ce que font mes scientifiques actuellement, Romain, je vais pas te mentir. Mais ils sont. Mais je les vois même plus! Perso, je les vois pas tes scientifiques, mais bon. Si là, t'as accepté, je sais pas, normalement, tu devrais le voir. Je peux pas avancer. Mais je comprends pas où il est, Romain, gros. Mais je suis tout en bas! Mais t'es bien vers le truc blanc là! Mais je suis en dessous! Mais il faut que tu ailles vers la droite maintenant. Droite. Ah, attends, vous êtes tout en haut. Ouais, tout droit. Eh ben, j'ai monté tout en haut, tout droit. United. Mec, je suis passé juste à la droite du truc. Hein. Je suis passé à côté de Arija Patch. Allez, construis plus vite que ça. Enfin, recherche. Comme ça, j'ai une recherche alternative supplémentaire. OP. Ça colonise ou quoi? Ah bah ouais, pourtant j'ai toujours plus 12, je comprends pas. Mec, y'a un truc que je comprends pas. C'est que je suis à plus 12, sachant que j'ai moins 8 coût de la colonisation. I don't understand. Ah mais c'est mes recherches! Ça fait que mes vaisseaux ils me coûtent moins cher. J'avais zappé ce détail. Bon, alors c'est pas compliqué, on va créer des corps. Non, fallait là-dedans. Concepteur de vaisseau. Alors attends, je vais avoir ma machine, enfin je vais en avoir une spéciale qui va me faire de l'énergie. Alors, mec, tu sais que je m'amuse à faire des trucs avec mes secteurs depuis tout à l'heure et je viens juste de remarquer qu'à chaque fois que je clique sur mes secteurs, en fait, ça me bouffe de la. De l'influence. Oui. Et j'en ai plus. C'est con. Connard. On va appeler ça V3. Ah merde, j'ai des blindages d'un composite, blindage de rabot métallique. J'ai un problème. Limite de secteur. Ah. J'ai une limite. Mon secteur il est. Merdique. Comment je fais? Créer un nouveau secteur. Et à ce moment... Mais fais attention, ça bouffe à mort de l'influence. Hein. Mais j'ai pas le choix. J'ai une planète en trop. Ouais bah... Bonne chance. Alors, on va faire des corps V3. Toc.
Ah, bah tu vas me reconnaître ce système parce qu'il y a un truc bizarre dedans. Ah, je crois que je suis pas loin d'une station orbitale de quelqu'un, une station minière. D'un truc rouge ? Ah rien, je le vois pas, je vois pas c'est qui. Ouais, vous êtes rouge et moi... Ah, on est d'accord, moi je suis bleu chez toi. Ouais, moi je suis rouge. Ouais, et l'ennemi aussi, il est rouge. Non, il est orange. Mais chez moi, il est rouge. Me compare pas à lui. Putain, il est en train de coloniser tout autour de chez moi, je suis en mode fils de pute. Moi je suis en train de coloniser tout en dessous, mec. En mode... Ouais, je vois, je vois. Je vois, ça me fait rire. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire. Attends, c'est quoi ça? Au moins, dans nos secteurs, manque de ressources. Le secteur manquant d'énergie ne peut pas recevoir aucune ressource dans la station. Ça y est. Le mois prochain, c'est moi, je suis toujours en perte d'influence parce que mes putains de trucs sont pas capables de... Contact, June Remnant. Puissance comparée. Comparée à la note, sa puissance de flotte est écrasante. Sa capacité navale est écrasante comparée à son... Ah. Construction complete. Xénophobie 40. Oh putain. Il m'aime pas ces enculés. Moi je suis grave en retard en fait hein. Je sais pas, on t'a pas encore rencontré donc on pourra dire par rapport à nous. Par rapport aux autres supérieurs, écrasant. Je suis au fond. Juste au fond. Je sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Putain, mais ça c'est pas dans mon système, c'est trop chiant. Communication établie. Poudlard. Ah. T'es où? Bah Alors attends, je vais te montrer. Poudlard. Alors Poudlard, communiqué. Déclaré. Nous aurions beaucoup à nous apprendre, Couillabest. Poudlard, oui, communiquer. Alors attends, je te fais plein de pactes. Hein. Conclure un pacte défensif. Proposer un pacte commercial. Information. Accepté. Hop. Proposer un invité dans la fédération. 30 ans. Mec, confirmé. Par contre, toi, si j'accepte ton truc là. Oui, non, mais après, je te fais vassaliser. Vas-y, va accepte. Ok. Ça pue la merde, ta vassalisation. Voilà. What, what, attends. Nouvelle, j'ai rencontré des nouveaux gens et tout. Ah, ok. J'ai rencontré plein de monde d'un seul coup. J'ai pas tout compris. Ah oui, moi aussi. T'as vu, c'est pas mal chez nous, hein. Situation log updated. Ah oui, bon, regarde, il est super en dessous. Ah mais oui. Mec, moi, je suis tout en bas et regarde comme je suis au fond, mec. Mais t'as rien! Mais oui, je peux rien faire! J'ai pas de planète colonisable! Mais une planète habitable là! Colonisable! Mais mec! Puis tu te plains! Regarde-moi! Moi je suis encerclé! Quoi? Mais non, mais tu fais ce que tu veux là, t'as de la place sur les côtés et tout! Moi genre j'ai les John Raymond là, je sais pas si vous les voyez, ils me défoncent! Ils veulent ma mort! Les John Raymond! Et elle est où ta planète habitable pas loin, Théophane? Hein? Eux ils m'aiment bien. Ils sont supérieurs mais ils m'aiment bien. Ça du coup. Ah putain les enculés donc. Okay, proposer un accord commercial. Commercial avec les mecs qui sont juste en face de toi. Putain voilà. Mec tu m'as fait. Ok. Tu m'as fait un accord commercial? Non. Non moi, j'en avais fait un, ouais. De quoi? Non, mais c'était juste. De toute façon, il s'est automatiquement refusé. Hein. Sérieux? Oui. Avec les mecs à côté de toi là? Non, Rémi! Ah, non, ah. J'ai fait d'accord commercial avec toi, j'ai. Mais non, mais ils sont pas drôles les mecs, j'essaie de faire un accord commercial avec eux, ils veulent pas. Ah, j'ai peut-être fait trop de conneries, moi. Alors, par contre, moi.
recrute quelqu'un. Oh, mais tu vas niquer ta race. D'abord, je vais commencer par aller coloniser une planète, genre celle-là. Non, nique ta race, tu restes là. Stock, je vais t'envoyer là. Ça, il y a quoi d'intéressant dessus? Putain, il manque. Mec, il faut mettre influence. Et je suis encore à plus 0. Alors, comment tu fais pour faire remonter mon influence, toi? System survey complete. System survey. Ah mais les civilisations primitives, on peut les faire des trucs. Faire quoi avec? Communiquer. Comment je fais pour aller voir avec eux ce que je peux faire? Mec. Définir les droits. Mec, quand ils sont dans un octet secteur, tu peux plus jouer sur la planète. Comment je fais pour aller les aider, les civilisations primitives, Stéphane? Il est où mon vaisseau scientifique là? Incoming transmission. Ah, cool. Il y a une faction qui est contente avec moi. Il y a une faction qui est positive avec moi, qui me fait rapporter de l'énergie, des trucs. 04. Research complete. System survey complete. Anomaly found. Construction complete. Alors, la statique galactique comptait tout un lien de capteur actif. C'est quoi le lien de capteur? Ouais, allez.
Il me porte rien, ces enculés en vrai. Ah. Mmh. Non, ton traité migratoire est puté au fan. Ta mère. Et on t'entend plus, Théophane. Ah merde, je parle tout seul, j'ai oublié d'éteindre, d'ailleurs, activer mon micro. Rémi, je crois que j'ai été exclu de la fédération par Romain. Est-ce non. Que tu pourrais voir. Je suis plus dedans, je peux pas. T'es plus dedans non plus? Mais je suis sous. Mais y'a plus de fédération vu qu'on était vassaux. C'est trop bien. Le gros bâtard. Ah oui, d'accord. Ma capacité navale 24 sur 19. J'ai envie d'aller leur niquer la race à eux, mais ils vont me défoncer. Bah, si tu veux, on peut aller les attaquer, je vais t'aider. Les June Remnant. Pas de problème, c'est qu'il faut défoncer, j'envoie l'armée. Hein? Les Jin Remnant. Ils sont où? J'ai personne. Construction complete. Anomaly found. Allez, j'ai plus d'influence. C'est parti. Je sais même pas comment on fait pour déclarer la guerre à quelqu'un. Tu sais, je viens d'envoyer mon armada chez toi, hein. Ça arrive, hein. T'inquiète donc pas. Ah mec, tu m'interdis de déclarer la guerre, Théophane. Bah attends, c'est moi qui vais la déclarer. Je vais faire one shot. Par contre, c'est genre, perdu. Il a une puissance comparée de écrasante. Ah, mais je crois. Non. Ah bah, va niquer les dunes. Ah, mais non. What the fuck? C'est pour ça que j'ai plus d'énergie. T'as une armée énorme. J'ai une armée de 3000. Voilà. De une quoi? Une armée de 1500 et une armée de 500. Ah, 500, ça doit être moi, non, du coup? Non, c'est moi. C'est toute mon armée à moi. Attends. On va recruter. Toi, tu vas devenir chef de mon armée la plus grosse. T'as intérêt à tenir le coup, frère. Moi, j'ai de la merde, je suis rien. Je m'énerve. Je peux rien faire. Et toi, non. Oh, mec, gros. Attends, c'est qui qu'on doit attaquer? C'est qui qu'on Le mec en bleu, là, Jen Remnant. Remnant. C'est qui? Jam Remnant. Ok, donc c'est eux. Eux, c'est quelle race? Nana. Déclarer la guerre. C'est un empire déchu. Céder la planète, nana. Oh! De quoi? Mec, il est tellement énorme ton empire. C'est une série. Oui. Attends, mais gros, je peux faire un truc de ouf. Attends, Romain. Faut. What? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Pourquoi je fais tes vaisseaux scientifiques, Théophane? Parce que. Alors, attends, j'envoie toute mon armée là. Non. Ouf. Sur une. Ici. Tu vas voir tous mes vaisseaux qui vont se déplacer, tu vas être en mode What the fuck? Mec, j'ai une armée, mais je sens que si je. Gros, je sais que si je vais marcher sur l'un de vous, vous mourrez en fait. Bah, ah, oui. Bah marche-moi dessus comme ça, Tu vois pas une armée en train de se balader à côté de toi? Bah, mec, t'as 3000 de dégâts ou pas, toi? C'est toi 330? Non. Moi, je suis à peine à 500 moi, en fait. Je comprends pas comment t'as 3000 de dégâts. Mais en fait, j'ai fait des commerces. Ah, mais t'as eu les vaisseaux des autres fils de pute? Oui! Mais moi je les ai pas! Il y a pas de commerce avec moi! Mais parce que moi je suis super développé et que les mecs ils sont tous en mode oh Narkiki, tu es si bon! Nous aimons ton énorme.
Ah, j'ai un scientifique qui est mort, faut que j'en recrute un nouveau. Ouais, ça sert à rien. Ah, là, il y a une planète. Ah, mais non, je peux pas le faire, parce que du coup. Bon, il y a. Il y a mon armée qui se déplace vers chez Romain en mode. Faut aller aider Romain! En vrai, faut déplacer toutes nos armées sur lui. Ouais, bah c'est ce qu'on fait en fait. C'est les Shadis Gatik Madat qu'il faut défoncer, c'est ça? Hein, ceux qui sont devant chez toi? Non, c'est les Jones rémanentes. Et je vais déclarer la guerre, c'est moi qui déclare la guerre. Ah, eux? Voilà, c'est chaud. Mais c'est pas grave. T'as une armée qui est à côté de Rémi avec ses petits 500, t'as 3000 qui se déplacent. Ouais, c'est ça, je suis en mode, what the fuck? T'as 1500 qui arrivent là, regarde. Ils sont où les Jones Remanant? Ah, Jones Remanant! Mais regarde l'armée que j'ai par rapport à toi, t'as des petits 500, regarde mon armée! Bonjour, je voudrais juste votre carte des. Vous la placez où l'armée en vrai? Oh, je crois que je peux déplacer l'armée de Rémi. Vous la mettez à quel endroit? Ah bon, tu peux? L'armée, votre armée, vous l'avez mis où? Tu peux vraiment déplacer mon armée? Oui. On va la mettre au niveau de Adnok. Tiens, ça va être Adnok, c'est où Adnok? Tu vas la voir. Tu cliques sur. Oui. Je sais pas où tu vas, toi. Adnok, c'est où Adnok? C'est un peu plus au-dessus. C'est un peu au-dessus du territoire du mec. Ça a pas l'air d'être méchant avec Romain. Ah ouais, dedans. Ouais, moi aussi. Mon armée, elle passe en plein dans leur territoire. Ah ouais, t'as pas beaucoup d'aide, des gars. De toute façon, il y a un pack de non-agression. Ouais, d'accord, et tout. Ils sont au chômage. J'ai pas pensé à construire. Ouais, moi aussi, mais je peux rien faire. Non, ils sont en inactivité, je crois. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas assez de personnes, en fait. T'as moi avec mes pauvres 1-4, qui sont mes pauvres 500 qui sont en mode... Oh gros, mon âme, je vois les 1-5, 1-6, je suis en mode... What the... C'est n'importe quoi. Mais en fait, mais maintenant, je peux améliorer tellement. Je peux faire une armée énorme, maintenant. Tu sais que j'ai les gens sur Adnok, il va y avoir tellement de trucs. Mais je crois que je peux déplacer tous tes vaisseaux, Rémi, hein, et t'es un gros enculé. En mais vrai. Vous allez pas du tout sur Adnok, là. Si. On aurait dû se mettre sur Irim, mais bon. Je sais pas, tu veux aller où? Dis-moi, moi je... Regarde l'armée de Romain, elle fait pitié. De quoi? La petite armée de Romain. Mais t'es pas sur mon truc. Mais j'en ai 3 des armées, lol. J'ai une armée de 3000, t'as une armée de 300. Chut. Mais gros, c'est n'importe quoi. C'est bon, mon armée, elle est arrivée. Mon armée n'est pas à fond. Hein. Attends. Vous allez où? Ah là, Adnok, ok, faut aller là-bas. Faut que j'améliore mon spatioport, j'ai oublié. Oh, je vais avoir mon spatioport level 5. Putain, moi, il va seulement être level 4 après la recherche. Enfin, je pourrais le passer level 4 seulement après la recherche. Moi, là, je le passe level 4, là. Et là, je vais voir pour le monter level 5. Okay. Mais là, j'ai les rôles basiques en combat, du coup, je sais pas ce que ça fait. J'ai toute mon armée qui arrive, donc Romain, il va avoir toute mon armée. Ouais, on regarde tous nos vaisseaux, là. Attends, bah, là où je les ai mis, moi, regarde. Je les ai mis les 3 au même endroit, mes vaisseaux. Salut! Coucou! Moi, j'ai ma petite armée, tu sais. Ok, alors j'ai déclaré la guerre. Et là, ça fait rien à voir que moi! Ça va tellement être ça! Nardine! Alors, actuellement, eux, ils nous aiment bien. Eux, je sais pas. Les gens, j'ai fait n'importe quoi avec mes vaisseaux, ils sont tous les uns dans les autres. Alors, attends, what? Puissance de la flotte est écrasante. Comparée à celle de notre flotte écrasante, hein, comparée à la nôtre, à son niveau technologique. Ils soumettent? Non. Non, par contre, ils sont... Attends, communiquer. Ils vont nous envoyer te faire foutre, déclarer mec. La guerre. Ils m'ont niqué un vaisseau scientifique. Ils méritent la mort. Attends. On va se faire défoncer. C'est la déclaration de guerre là? Ça commence? Attends. Ok. Très bien, hein. Moi j'envoie. Moi j'envoie direct sur Torcnus, hein. Et on le démonte, hein. On prend planète par planète, hein. Ouais, la Russe. Mais attends, je peux coloniser des planètes? Non, je crois que leur planète de base est Nitris. Ah, tu peux pas confirmer? De quoi? Sélectionner des adjectifs et Ah d'accord!
Ah, mais je peux vous donner des trucs. Ah bon? Vas-y, on voit. T'auras moins de trucs à gérer. Non, je prends tout pour moi. Attends, je suis pas un bâtard. Romain, tu veux quoi? On cède chacun un petit territoire? Moi, je veux bien une planète. Non, mais non, mais gros, moi, je peux pas. T'as vu comment t'es énorme, toi? Alors, Ratador, je vais la donner à Romain. Ratador. Et je vais donner Netris à Romain aussi. Ouais. Et Rémi, tu veux une planète ou pas? Ouais, ouais, attends. Ratador, Netris. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Shootra. Shootra? Ouais. Ouais, c'est tout en haut, ouais, si tu veux. Ok. Et attends, non, j'ai encore une planète, je crois. Wait, what? Ouais, c'est bon. Ok. Tu peux définir comment vous. Le coût total des 100 représente un score trop élevé. Ah non! De quoi? T'as pas assez de quoi? On peut pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le coût total de quoi? Alors attends, on va prendre Ratador. Et Netris. Anomaly found. NTM. Attends, parce qu'en fait, j'essaye de trouver les différents trucs. Et à Romain, je vais donner. Shootra, j'avais dit. Non, c'est ça, Rémi. On attaque en même temps qui? On attaque. Bah, on commence. Moi, je pense que c'est Nitris qu'il faudrait faire en premier. Je crois que c'est leur capitale. Non, c'est pas leur capitale, c'est Jaban, leur capitale. Bon, nique leur capitale. Non, bah mais ouais. Le problème, c'est qu'avant d'arriver, on va se faire attaquer. Ok, bah, bah, sinon, on commence par Ratador. Hein. Commence par le bas? Bah, ouais. Ou par le haut? Là, on est posé. Faudrait... Dans ce cas, si on passe par Ratador, faudrait qu'on aille à 7 bacs en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on arrive par en dessous. Ouais, bah oui. Donc, on va à 7 bacs et puis après, on les nique. Ah, mais on peut pas se déplacer parce qu'on n'a pas exploré. Moi je peux pas me déplacer chez eux. Mais si. De quoi? Moi je peux hein. C'est bon, ça me déplace. On est sur Ratador, donc on fait déplacer ici. Ok, j'envoie tout mon armée sur Ah sur non qui? Ah, j'ai volé. Quoi? C'est mon vaisseau scientifique qui se mon vaisseau. Non, toi reviens ici. Ah attends, moi je suis en train d'attaquer là. Je me suis trompé, attends. Je renvoie sur Ratador. Hop là. Vaisseau de l'armée, Ratador. Oh, c'est parti hein. Putain, je me suis gouré, je suis en train de envoyer tous mes vaisseaux de construction. Moi j'ai envoyé toute mon armée, je suis en mode ça va passer. Ah, les gens. Quoi? Tu te fais attaquer? Bah j'ai crevé, d'accord. Quoi? Les mecs ils ont ramené leur armée, ouais, ils ont 50,6k. Ah, problème. Bah on les défonce mec. Mais ils sont partis. Ils les ont envoyés où? On va tous sur Ratador. Vous êtes j'y suis, je suis en train d'attaquer. Ils sont en train de me niquer mes planètes en fait. Hein. Non. Sérieux? Ouais. Ils sont chez 58k. Oh, les gens, on va se faire viser en fou. Ils ont des armées à 58k s'il te plaît. 58k, t'es sérieux? Mec, il y a une armée chez eux, mon pote. C'est vrai? Mec, j'ai peur. Ah mais on va se faire buter. Mec, on a perdu là! Oh, bah, attends, notre retraite! Non, mais c'est mort, mec, avant nous! Je ne m'inclinerai pas! Ah, 50,6k qui. 54,6k! Ah! Faut abandonner là! Agitation, la couille noire! Ah! Ah! Y'a un début de fight, mec! Ah, je me fais exploser! Ah, ah bah j'ai perdu. Destroyed. Bon. Moi je me suis fait dominer. Ah moi je me suis fait exploser. Ah sérieux, on dominer? A tout perdu. Ouais. J'ai perdu tous mes vaisseaux. Bah oui. Tiens, voilà. Romain est dans la merde. Attends. Remets toi ton armée au plus vite, Romain. Non mais mec, c'est mort. On se fait one shot. Mais ils vont attaquer Romain. Ils vont attaquer. Mais ils m'ont déjà attaqué. Mais faut que tu te défendes.
Mais je peux rien faire, j'ai plus de station spatiale. Mec, vas-y, je laisse les bottes. Vas-y, je laisse les bottes jouer à ma place, ça part. Moi, en fait. Mais c'est quoi cette armée? C'est quoi, j'ai regarde. Perdu. Moi, je fais. Ah, mais attends, mais Romain, il a perdu en vrai. Ouais, il y a 50 fais... que de Seroka. Je fais hop, et c'est le jeu. Allez, les bottes, jouez. C'est bon. Ah, mais il y a le. J'ai quitté, hein, moi, c'est bon, j'en ai marre de faire wesh. Mec, faut pas qu'on joue avec des bottes. Faut qu'on joue tous ensemble, c'est mieux. Tous ensemble. Non mais attends, Romain va perdre là. Mec, ouais. Ce que t'as pas compris, c'est que je viens de déco en fait. Mais non, mais Rémi, reviens. Mais mec, j'ai plus que des scientifiques et je suis même pas sûr de les avoir encore. Mais attends, ils sont toujours en train de te péter la gueule en vrai. J'ai plus de vaisseau de construction, mec. Comment tu veux que je fasse quoi que ce soit? Je peux plus faire d'armée en fait. Mais ils ont arrêté d'attaquer. Bah normal, ils vont dominer. Ils dominent. On va mais t'aider. Oui, c'est son soumis. Non, mais c'est pas grave, j'ai perdu. Non, mais t'as pas encore perdu. S'il domine, ça va. S'il domine, mec, ça veut dire qu'il faut aller l'aider. Mais attends, ils ont combien d'armées chez toi? Mais mec, ils ont plus de 180 000 k. Des 60 000 et tout. Faut se faire une putain d'armée. 58 000. Ils t'attaquent plus là? Ah, ils ont des flottes de transport aussi. Rémi, t'es revenu? Non, ils peuvent plus m'attaquer, y'a plus rien à attaquer. Non, mais ils vont envahir ta planète de base et t'as perdu. Moi? Ouais. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, vaisseau de transport. Ils vont envahir la planète de base et puis il va perdre, c'est fini là. Non, là ils l'ont dominé, ça veut dire qu'en gros maintenant ils travaillent pour eux. Non, mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est que là c'est qu'ils ont envoyé des vaisseaux de transport chez Romain, c'est ça? Ouais. Ils viennent sur ta planète, les vaisseaux de transport. Invasion terminée. Voilà, il a perdu. T'as perdu en vrai là? Bah, je sais pas. Je crois. Non, mais tu vois, c'est horrible. Non, mais je pense que si son invasion est terminée, il peut encore jouer en vrai. Ouais, non, il a été envahi. Mais oui, ça veut dire que t'es soumis envers les mecs. C'est à dire qu'on doit aller le sauver. Fais-toi une armée, Romain. Mais j'ai pas de vaisseau pour construire, je peux plus faire d'armée. Mais t'as des ressources. Mais non, mais en gros, tu fais pas le truc qui construit les vaisseaux. Oui. Bah, je l'ai plus, ils l'ont cassé. Il l'a plus, ils l'ont cassé. Quoi? Oui. Mais what? Moi je dis on recommence, on joue plus tous les trois. Attends, par contre tu peux peut-être faire un truc comme ça. Construire une station militaire, construire un poste d'observation. Non, je peux rien faire. Faut qu'on crée une armée de ouf, Rémi. Et on va les attaquer. Mais mec, mais en plus je perds du 12 d'énergie par jour, du 8 de minerai par jour. Bonjour, je rejoins la partie. Mon bot il a dû faire n'importe quoi. Ça se trouve il a fait mieux que ce prévu, hein. Il a fait mieux que moi. Ça se trouve je vais revenir, je vais avoir une armée énorme, j'étais en mode what? Mais vous avez été retourné au salon en raison d'un hot join en cours d'attente. C'est moi qui reviens. Quand tu fais une armée comme ça, gros, on est venu, j'étais en mode ah je suis chaud, j'ai 5 000, tout ça. Les 60 000. 60 000. Oh. Mais comment ils ont fait? Bah ils ont travaillé de l'armée uniquement. Ils savent jouer. Je t'ai dit fallait pas mettre de bottes. Vas-y, pas mettre de bottes, hein. Mais mec, c'est des bottes bas level, gros, putain. Bon. Mec, on sait pas jouer. Moi je crois que je vais aller sur LoL, hein. Pour essayer aussi, de travailler d'aller sur LoL. Non. Moi j'ai envie de jouer sur LoL, hein, en vrai. Attends, on avance encore un peu. Non, s'il vous plaît. On doit réussir à sauver Romain. Bon, vas-y, mais play. Rapide, s'il te plaît, que je puisse faire un truc. Ah bah non, mais pas en très rapide, parce que sinon je vais me faire niquer encore plus de ressources. Ah, mec, je perds 12 d'énergie par jour. On peut abandonner. Négocier. Je veux arrêter. Je te donne les grosses couilles. Tu fais quoi? Mais en gros, ils veulent ton humiliation. Et moi, ils veulent que je leur cède une planète pour qu'ils me laissent tranquille. Ah, mais ils m'attaquent. Bah oui. Mais on a perdu. On était mon spatioport. Voilà, ah, c'est ce que toi. Je disais, j'ai plus de spatioport. What? C'était une très mauvaise idée de leur déclarer la guerre. C'est la loose. Bon, on a perdu les gens. Ah non, mais là j'ai perdu. Hein. Non, mais mec, c'est mort, vas-y, on quitte. On va sur LoL. Bon bah, GG, c'était une partie énorme. Oui. En vrai, c'était une sacrée partie. Ouais, c'était bien, voilà, moi j'ai quitté. C'était bien. Bon, faudra que la prochaine fois je mette joueur à côté pour qu'on se mette tout de suite à côté et on le décède. Mais si, moi j'aime bien quand même le fait de se chercher un peu.
Ouais, mais moi ça m'a saoulé, c'est ce que j'étais à l'autre bout de la map. En vrai, nous on était l'un à côté de l'autre, Théophane. Mais il y avait Romain à l'autre bout ouais, de la map. Ouais, mais on aurait dû aller chercher beaucoup plus rapidement. Et en fait, moi j'ai une idée. Mais ça va être compliqué de le faire. En gros, les gars, va falloir que. J'ai bien une idée pour genre défoncer tout le monde. Mais le problème, c'est que moi je vais devoir partir full militaire. Alors... Et que j'aurai jamais assez d'énergie. Ah! Bon bah, quitter le jeu. Bon bah, c'était... franchement, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ah ouais. Alors, les gars, moi, j'allais me faire à manger. En vrai, on s'est fait une sacrée partie là. J'allais me faire à manger, me doucher. Qu'on a fait, gros. Ouais, ouais. C'était pas mal en vrai. Sacrée partie. Et après, je suis chaud pour faire ranked avec toi, Romain. Après manger. Alors là, les gens, on se fait de gros bisous pour les viewers ou les gens qui regardaient sur le live. Donc, on a fait. On a terminé donc notre première partie à 3 sur Stellaris. On s'est fait péter la gueule. Alors moi je pensais que quand je regardais mon armée, que je voyais 500k, je pensais que c'était beaucoup. Mais alors là le mec, 60 000 k. What? Énorme. Juste énorme. Franchement là, d'avoir perdu, t'as une satisfaction, tu te dis bon, on recommence. Je suis un peu déçu parce que je commençais vraiment à m'améliorer et tout. J'avais vraiment là un gros territoire, je commençais à vraiment gérer mes secteurs. Mais c'est vrai que le problème là que j'ai eu, c'est d'être soit déjà pacifiste, donc d'être pas forcément celui qui fait l'armée, mais aussi d'être... comment dire? Le truc c'est que là l'armée, clairement, le mec nous a totalement écrasés. Les militaires, j'ai l'impression que plus t'attends, plus ils vont avoir une armée et plus ils vont te péter la gueule plus tard. Parce que là il nous a envoyé une armée quand même. Le mec, il était chaud. Donc nous, on vous fait de gros bisous. Salut à tous, je retourne sur le Mumble. On fera du jeu plus tard. Peut-être encore du Stellaris, je vais essayer d'en publier. Salut à tous.